Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, on va aller nous passer un petit coup de cover crop, des chômés si vous voulez. Donc avec le case, donc avant ça je voulais donner un peu d'eau aux chevaux, parce que là ils ont quand même plus trop grand chose. C'est parti, donc je suis allé remplir donc la tonne à eau. Hop, donc on arrive. Pour ce qui est des veaux, je vais bientôt les rentrer. Là on est la matinée donc ça va encore. Mais je vais peut-être bientôt les rentrer. Hein. Voilà. Hop. Désolé pour les cloches qui sonnent. On est bien à la campagne. Voilà, enfin bref, nous voilà. Voilà, donc je viens d'ouvrir la tonne à eau là. Hop. Donc on va attendre que ça dégouline. Donc pourquoi j'ai ouvert le capot du case? Simplement pour remettre déjà d'une. Refaire la vidange, car elle était morte. Ensuite, on va aller mettre un petit coup d'essence, il est en réserve là, donc je vais pas tomber en panne d'essence en plein travail. Et bah voilà, on finit ça, puis après on y va. Donc là, je pense que c'est bon, le chien, pousse-toi. Donc les amis, hein, donc la benne d'hier, bien sûr, je l'ai lavée, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais vraiment, elle était très compliquée à laver. J'ai pas pu la laver à la ferme, du coup bah, je l'ai emmenée au lavage à côté de l'essence, à côté des pompes d'essence vers les magasins, voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, je l'ai emmenée, ça fait du bon travail. Hop, donc là, je viens de finir la vidange. Donc il était en train de tourner un peu là pour que la vidange elle, se fasse. Hop, on referme le tout et on part aller chercher un peu d'essence. Hop. Bon, habituellement je fais ça avec comment ça s'appelle? Le JD, mais là bon, on va aller le faire avec le gaz tout simplement parce qu'il y a de très peu. Il y a très peu. Enfin, il y a beaucoup de chances quand même que le JD il s'embourbe, donc je voulais pas prendre le risque. Donc désolé si. Je perds un peu mes mots des fois, simplement parce que je réfléchis à autre chose. Voilà, donc là, c'est en train de mettre de l'essence. Enfin, peut-être que j'en rajoute dans la cuve. De toute façon, le camion, il va arriver dans 2-3 jours. Voilà. Hop, je pense que c'est assez. J'ai mis 70 litres. Ce sera assez pour la journée, je pense. Surtout qu'avec ces genres de bébêtes, il faut les remplir tous les jours presque. Donc voilà les amis, donc là on va chercher le cover crop. Hop. Voilà. Donc le cover crop, à quoi ça sert? Je vais juste le sortir. Le cover crop, ça sert tout simplement à. Si vous avez fait du. Genre du maïs, voilà, des récoltes. Bah, le cover crop, en fait, si vous n'avez pas fait de balles, si vous avez laissé la paille au sol, le cover crop va les enfouir sous la terre. Et ce qui va donner, du coup, elles vont pouvoir. Je me rappelle plus du nom. Attendez que je me rappelle vraiment plus du nom. Ouais, on va dire qu'elles vont pouvoir pourrir. Mais c'est pas ça le vrai terme, voilà. Et donc, ça va. Voilà, décomposer. Elles vont pouvoir se décomposer. Et ça va pouvoir faciliter le labour, etc. Donc, ce sera beaucoup mieux. Hop, comme ça on aura une très bonne terre. Voilà, il faut pas mal d'humidité quand même, mais là il est inondé quand même le champ. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le case. Hop. Donc ça c'est quand même un vieux cover crop, hein. Il a pas 3 ans, hein. Je vous le dis direct, il a au moins 6 ans, c'était l'un de mes premiers sicu. Qui dit premier sicu dit pas en très bon état. J'ai cassé les petites mâchoires là. En fait, c'est des petites mâchoires, on appuie dessus et ça rentre les roues ou ça les lève. Voilà. C'est pour dans le travail, voilà quoi. Ça bloque pas. Et je les ai cassées, mais c'est pas grave. Et elles tournent quand même. Normalement, elles devraient pas tourner, mais elles tournent quand même, mais c'est pas grave. De toute façon, je joue quand même un intérieur avec ça. Peur les abîmer, vous voyez, j'ai joué une fois en extérieur et déjà tout ça. Hop. Bon les amis, donc je viens de terminer. Je vais laisser le cover crop sur
Magnum parce que j'ai encore quelques petits champs à faire. Alors, on va passer par là. Désolé pour le bruit. Donc je vais me mettre là-bas. Hop. Voilà. Alors je vais essayer de bien le garer pour parce que je pense que le masser là on va faire plein d'allers-retours hein, pour donner à manger aux chèvres, etc. Hop. Voilà. Là, il est pas mal. Mes amis, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Scan, je suppose, abonnez. Puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.